reportage. Si vous voulez entrer dans l'histoire, enfin, dans l'histoire du Stade de France, vous pouvez faire graver votre nom sur le fronton du Grand Stade. Le principe est très simple. Pour une somme de 1000 francs, vous devenez parrain. Tous les détails avec Yann Lavoie. Voici tout le personnel du consortium en plaque. 250 noms pour inaugurer ce matin l'opération Le Mur des Noms. Car le Stade de France vous offre jusqu'au 31 mai ces murs pour que votre nom y figure, si vous le souhaitez. Si vous avez les moyens également, 1000 francs pour faire graver votre nom. Pour les gens du consortium, il s'agit avant tout d'une opération de communication, plus que d'une opération commerciale. Je rassure tout le monde, on n'a pas besoin de cet argent pour finir le stade. C'est une idée de communication, c'est une idée de faire participer un très très large public à ce que nous faisons actuellement. Pour la dernière visite du pape aussi, il y a eu une initiative du même ordre. Pour les Jeux Olympiques, il y avait des pavés posés sur l'esplanade autour du stade d'Atlanta. Bon, toutes ces idées sont séduisantes et on a repris un peu le même concept en l'adaptant à notre stade. Si vous êtes convaincu et que vous souhaitez devenir un souscripteur, appelez ce numéro de téléphone, on vous fournira tous les renseignements pour que le 28 janvier 1998, jour de l'ouverture du Stade de France au public, votre nom figure en bonne place. Une image.